Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous même coalition des partis politiques de Pétionville qui vient pour sigle CPPV. Salue courage et leadership PM Ariel Henry et toute parti politique, organisation qui a accouché à 11 septembre. Qui commençait pour être un calme apparent dans la stabilité politique dans le pays. C'est pour ça que nous demandons PM Ariel Henry de concerter avec toute responsable progressiste. Tant que Montana, Peine et Latrier. Pour nous arriver à une stabilité politique tout bon vrai. Pour nous commencer à attaquer les problèmes qui ont défini avec le pays à chaque jour. Phosphère noir, c'est l'ennemi tête ensemble qui a créé la division dans le nous. Là, nous arrivons pour nous prendre destin nous en main avec la souveraineté nous qui a oublié dans la boue de jour en jour. PM, faut bien qu'il choye et faut bien bagay qui dit tant qu'on prend bon jamaisi pour résoudre le problème d'insécurité. La vie chère, surtout pour faire fin d'année. Rivez à ce pays parce que les gens ne peuvent pas vivre même côté avec Fatra. Et un bon genre d'apaisement social pour ça qui est faible, surtout dans le quartier populaire. C'est pour ça que nous demandons à PM Ariel Henry de prendre responsabilité. Parce que c'est les gens de Pétionville qui ont des problèmes de Pétionville. Je ne veux dire, nous tous constatons que bourgeois, machin, diri, machin, l'huile, machin, lettre, vont prioriser. Tandis que, il y a un ministère de commerce qui est en tête de l'État de Saint-Jean, côté grand goût à miser peuple, là, pas veut dire rien pour lui. Pas faire ni chaud, ni frais. Journée et jour, il y a fort à chaque haïtien qui a dû poser cette question. Est-ce que l'État ça prend responsabilité? Est-ce que l'État ça gagne une politique sociale pour le peuple? Seulement, c'est toucher taxes, monter gaz. La forme reviendra Haïti. Constater gagnon insécurité planifiée et organisée dans le pays d'Haïti. Depuis 4 mois, population victime de toute violence. Tant que violence, vol, viol, kidnapping et latrier. Montée de gaz, c'est une violence tout. Dans ce sens, Réveillon Haïti, mandé population pour lever campé, pour dire non à kidnapping, non à tout crime qu'a fait dans tout quartier populaire. Tant que Cité Soleil, La Saline, Grand Ravine, Tibois, Fontamara, Delma 2, Croix des Bouquets, Matissan même, c'est pas. Action internationale pour les droits humains à IDH rappelle que ce 10 décembre ramène la journée internationale des droits de l'homme, 73e. Haïti, un pays fondateur Nations Unies, te prend part active dans l'élaboration document ça, elle t'est engagée moralement pour le travail dans respect ensemble droit qui en dans document ça. 73 ans après, qui ça l'État haïtien fait avec engagement qui te prend en 1948 yo. Là nous prend droit si et droit sociaux, tant pour droit à l'éducation. Taux scolarisation primaire là, li baissé considérablement parce que situation socio-économique pays a très précaire. 80% population est dans chômage, donc yo pa ka parents yo pa ka voye ti moun yo l'école. L'école communautaire yo nous constate yo dépourvu de tout et yo pas subventionné par l'État haïtien. Ministère éducation nationale pa gen aucun contrôle sur l'école et qui dans pays a. Directeur l'école yo parents, élèves, professeurs, tout yon seul refrain. Le coût exagéré de la vie et le désespoir. Action internationale doit mon IDH constater l'éducation n'est pas accessible à tous en Haïti à cause des engagements ministère éducation nationale quant à obligation gain pour promouvoir éducation et respecter convention internationale que Haïti signé tant que déclaration universelle droit moun. Et en ce qui concerne le droit à la santé, dans le pays qui soucie de bien-être de la population, la santé occupe une place dans le programme gouvernement. Mais en Haïti, nous, c'est nettement le contraire. Dirigeants n'ont pas accordé de pièce d'importance à droit à la santé. 80% de l'hôpital, c'est pour le secteur privé allié. L'État a seulement 20% qui est très précaire et mal entretenu.
personnel yo pas gen moyen pour fonctionner vraiment. Donc là nous prend droit civil et politique yo. Action internationale droit monde observer une inquiétante régression dans le pays en matière de la démocratie malgré la présence de la communauté internationale en Haïti. Les libertés publiques sont menacées avec la répression des gangs armés qui disposaient de gros armes de guerre pour exercer forfait contre une population qui paisible et sans défense. Situation sécuritaire pays très préoccupante. Nombre d'assassinats augmenté, kidnapping a fait ravage et la pauvre population de jour en jour. Pour premier semestre année 2021, au moins 365 personnes étaient jeunes dans mort, dont 312 étaient morts par balle. Nous avons 22 alarmes blanches. Action internationale droit monde a signalé que 32 policiers étaient morts pour premier trimestre et premier semestre année 2021 et il y a 9 postes police qui étaient attaqués pour période ça tout. Donc situation ça a poussé à IDH à attirer attention autorités policières et judiciaires donc pour prendre des mesures drastiques pour capable punir auteur crime ça conformément à l'article 295 à 329 du code pénal. Situation prisonnier. Selon information AIDH te joine nan main direction administration pénitentiaire DAP et nan date 31 mai nombre prisonnier c'était 11501 prisonniers. Donc nous gagnons 10801 hommes, 436 femmes, 240 petits garçons et 23 filles. 80% population carcérale là li en détention préventive prolongée. Gen 18% seulement qui condamné. Nous en prison dans pays d'Haïti, yo sale. Donc prisonnier yo mal entretenu. Nous c'est chaque jour prisonnier tombé malade. Action internationale droit monde noté l'État haïtien dispose yon fait budget qui c'est 800 millions de goudes pour faire fonctionner toute prison dans le pays d'Haïti à raison de 125 goudes par prisonnier par jour pendant 365 jours. Action internationale droit monde a signalé et rappelé tout en année 2017 à 2020 il y a au moins 564 prisonniers qui étaient morts dans toute prison. Donc, face à la situation, ça, l'Action internationale droit monde, AIDH, à l'occasion 73e journée internationale droits humains, a recommandé les autorités concernées pour mettre en œuvre un plan qui permet d'attaquer sérieusement le problème population. Objectif conférence de presse là, c'est sous éventuelle augmentation prix produits pétroliers sur le marché local. Je voulais rappeler pour la presse, pour la population et pour tout syndicat qui est dans le secteur transport à travers 10 départements pays que vous connaissez déjà. Bataille pour subvention ciblée, c'est une bataille qui a gagné plus de 15 ans. Depuis que nous avons dit nous-mêmes dans le secteur transport, nous devons subventionner les produits pétroliers pour nous capables de suspendre, augmenter le prix machine sous deux populations, sous deux passagers. Là nous connaissons nous dans un pays côté que 85% monde qui en aille de travail yo pas plevé ni lourd ni légère. Ça veut dire yo pas gagné pouvoir d'achat. À chaque fois yo moyen gaz là
eh bien, le fait que le gaz là c'est un produit transversal qui est lié, il y a des conséquences directes sur la vie mounio et surtout si la yo qui est très vulnérable et qui a touché un petit salaire misère et en pile là d'ailleurs pas un salaire du tout. Moi, je voulais expliquer dans la dernière conférence là, je suis traité par là, pour diriger le pays, les jeunes, les jeunes placés et puis les politiciens, ils ont plus l'amour pour le pays. Pendant l'autorité de l'État, ils ont suspendu le gaspillage pour capable améliorer les conditions de la vie de la population. D'après mon CIM, pour me dire qui ça, subvention ciblée aillée pour nous-mêmes dans le secteur transport. C'est vrai, c'est moi-même qui ai fait confiance à la presse là, qui t'a annoncé, mais ces batailles, tout syndicat, et nous avons constaté à travers 10 départements pays, eh bien, tout syndicat transport, il a parlé même bagaille. Si vous ajustez le prix gaz là sur le marché local, eh bien, il faut que vous nous subvention ciblée. Subvention ciblée, qui est-ce qui est lié? Nous dit mon cher l'État, si vous mettez 50 gouttes sous galon gaz là, eh bien, 50 gouttes ça, faut retourner le vin joindre nous sous forme de bon. Et bon ça, il pourra le joindre directement transporteur qui a une machine. 50 gouttes en plus, si vous mettez sous gaz là, et après mettre le eh bien, si vous avez porté passager avant de mettre 50 gouttes là, 25 gouttes, eh bien, il doit continuer à porter passager à 25 gouttes. Et, ou même qui a un camion, ou tu as pris ton sac de riz, ou ton sac de farine, ton sac de sucre, aller dans l'arrière-pays, par exemple, dans Marie, eh bien, si tu as porté le bout de 200 gouttes, le fait que le prix de transport n'a pas monté sous dos, il faut continuer à porter sac de farine, non, sac de riz, sac de sucre, là, toujours 200 gouttes. Ou pas pour mettre 50 gouttes sous lit, ni on pas pour mettre 100 gouttes sous lit. Eh bien, l'on fait comme ça, eh bien, le consommateur final, là, qui c'est la population, hein, la pralé, on t'y souffre quand même. Mais comme je te dis déjà, gaz, c'est un produit transversal. De pour moyen, il a des conséquences quand même sur la vie de la population. Réunis sous son masque là, côté activité pour célébrer fête Immaculée Conception t'a réalisé à Nissa. Archevêque métropolitain Port-au-Prince-Lan, Max Léon Mésidor, t'a utilisé Jérémie 29 verset 11 dans homélie circonstance-Lan. Je connais les projets que j'ai formés pour mon peuple. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes frères, ce mieux, bon Dieu, pas fait toute bagaille pour contre lui, pour projet la réaliser, mais ça l'a demandé nous. Bon Dieu, demandez pour gagner un temps entre les élites, entre les partis politiques. Monseigneur Mésidor encourage la population pour suspendre Chirépit, suspendre construire, mais construire pont pour capable vivre puis bien dans le pays. Faut que chita ensemble. Faut qu'il y ait un dialogue, faut qu'il y ait sur table, nous mettez tout projet. Faut sur table, nous mettez tout ça qui est là encore pour nous garder ça bon là-dedans. Et puis pour nous vivre une route pour le pays à avancer. Cependant, l'Église a prêté vigilant. Parce que il y a des gens qui ont critiqué. Il y a des gens qui ont faibli. C'est tout autant qu'ils n'ont pas venu au job. Et puis au joint de nuit, j'ai oublié toute conviction. Ça pour mobiliser, c'est le bien de tous. Ça pour mobiliser, c'est le bien de la nation. Pas mobiliser pour servir escalier pour de vous joindre le pouvoir. Tout est bien bon, j'en projet gouverneur. Pour vivre dans le pays d'une et uni, bon Dieu m'a dit, pour intérêt pays à passer avant intérêt tout groupe, avant intérêt tout clan. Pour vivre dans Haïti uni, bon Dieu dit nous, faut groupe entendre son projet de gouvernance. Pour qui ça depuis combien de temps parler de ça? Et concrètement, rien n'est pas fait. Pour nous chiter ensemble,
pour nous sortir un projet, pour avancer le pays à un projet qui tenait compte de l'aspiration du peuple, un projet qui tenait compte de la situation mise du peuple, trop gaspillage dans les ressources de l'État. Trop de monde profite de privilèges dans l'État, alors si apprend des petits peuples pour faire sacrifice. Exemple à Breville, ils sont en haut. Pendant la célébration événement ça, Joël Loquet, un chrétien protestant qui prend la parole et puis chante dans l'idée pour montrer l'unité dans un petit pays à possible. L'heure est à l'unité et non à la désunion, parce que nous tous nous sommes haïtiens, nous tous nous sommes chrétiens, nous croyons en bon Dieu. Et c'est ça qui est plus important. Ce n'est pas ça qui divise nous, qui est plus important, mais c'est ce qui nous unit. De nous. Conseiller Max Lewa Mezidor demandait tout haïtien de t'aimer ensemble pour changer pays à respect pour symbole sacré, justice pour tout le monde qui assassiné dans mauvais conditions, contribution travail à la presse doit porter dans développement pays à c'est un ensemble point qui t'est développé dans message monseigneur. Et puis population ville Port-de-Paix célébré mercredi 8 décembre Sainte Patronio Notre-Dame Immaculée Conception. Dans l'occasion, yon messe remerciement chanté dans la cathédrale Port-de-Paix dans présence plusieurs fidèles catholiques ak autorité Marc Eddy Osam. Dans l'homélie de circonstance, Monseigneur Charles Peters Barthélémy qui t'a exhorté chrétien yo la guio dans la prière par rapport à la situation socio-économique yo. Kap vin pi grave chaque jour bon Dieu mette, mande participants yo pour yo suspendre accepter mauvais conditions la vie à vivre là. Évêque Paul Epeya estimé population trop passive devant mauvaise gouvernance autorité yo kap entrer pays à dans trou chaque jour bon Dieu mette. Plus loin, prélat nord-ouest là, déploré, zak insécurité kap multiplié dans le département nord-ouest là, surtout dans la limite commune Bassin Bleu pour entrer Gomon, côté bandit, passispan, kidnappé passagers et puis mandé au gros rançon. Embagé autorité dans le département nord-ouest là qui pas montré volonté pour résoudre problème insécurité. N'a pas souligné, contrairement à l'année passée, yo, fête patronale, immaculée de conception dans la ville Port-de-Paix, pas réuni à Nissa, en pile pèlerin, pas de gain non plus, en pile ampleur, suite à problème insécurité, capta et banda dans tout le pays. Depuis Cité Capra la mort, Port-de-Paix, Marc Eddy Osam, antenne télévision d'État. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.